Depuis 2016, la fédération avait déjà initié une conciliation avec les clubs. On n'est pas arrivé à s'entendre. Le ministère a emboîté le pas avec le club. On n'est pas arrivé à s'entendre. Et au final, en début d'année, la FIFA elle-même a décidé de regarder le plus près ce dossier. Donc depuis près de 6 mois, nous sommes en conciliation avec la FIFA, la CAF, la FIFPro, la fédération, la LINAV, l'association des clubs. Et il y a eu deux premières versions du protocole. La nôtre, le protocole a été renvoyé par les clubs et la FIGAFOOT sur certains points qui devaient y figurer. Et la FIFPro et nous avons encore fait un nouveau protocole qui a été revenu et sur lequel, avant d'intervenir, il fallait déjà revoir directement avec les clubs, parce que malgré ça, on n'arrivait pas toujours à tomber d'accord. Donc on a décidé une fois pour toutes, parce que tout le monde est fatigué par rapport à ce problème, de tomber d'accord, de faire une discussion à bâton rompu sur les points clés de ce protocole d'accord qui permettrait au club de pouvoir accompagner aussi les joueurs et aux joueurs de rentrer dans leur du. Vraiment, nous sommes engagés pour la libération du combat et pour la reconnaissance non seulement de l'élection, parce que c'est de ce dont il est question, et aussi pour que justice soit faite, de rester droit dans nos bottes, quel que soit Alpha. Parce qu'il faut dire que la barbarie dont a fait le pouvoir, dont a exercé le pouvoir ce jour-là, est sans précédent. Moi, je me dis, et à qui veut l'entendre, j'ai vu des morts empilés, j'ai vu des corps, pardon, empilés, les uns sur les autres. Au lieu de faire le procès de Jean Bosco, on devait plutôt s'intéresser aux causes de la vidéo. Jean Bosco et beaucoup d'autres compatriotes interpellés pour leurs opinions et déclarations ne font que dire tout haut ce que la majorité des Gabonais pensent tout bas. Toutes ces arrestations traduisent un véritable malaise dont la solution aurait dû se trouver à la présidence de la République, au Parlement, au gouvernement et dans les forces de sécurité et de défense. Dans ce cas de figure, l'appel à l'insurrection devient un passage obligé et renvoie à Gandhi qui dit « La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État n'observe plus les lois ou ce qui revient au même quand il est corrompu. Et un citoyen qui négocie avec un tel État partage sa corruption et son dérèglement. » Ça fait 4 ans qu'il y a une crise. Une crise appelée post-électorale. Cette crise a été inhérente à une atrocité qui s'est installée à la suite de la proclamation des résultats du vote du président de la République. Votre chaîne n'a pas été épargnée. Elle a été aussi détruite avec le corollaire d'autres massacres, notamment la perte en vie humaine. Dans toute crise, si les mobiles, tu m'as dit, si les raisons, les causes ne sont pas élanguées, c'est tout à fait normal que les conséquences puissent perdurer. Vous parlez de 4 années, mais autant de temps que les cœurs qui ont été brisés ne soient pas pansés, ne soient pas restaurés, autant de temps cette crise va toujours continuer.